Voilà. Voilà le résultat final. C'est bien court quand même. Ouais, j'ai hâte que ça repousse. Moyenne la famille, bienvenue au Grand-Duché. Et bonjour. Hey, salut. Salut Moyenne. 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 C'est de cette manière qu'on dit bonjour ici en luxembourgeois. On vient donc d'arriver au Luxembourg et on a retrouvé quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Mon cousin chéri. Je m'appelle Romain et je me suis installé au Grand-Duché il y a un peu plus d'un an. J'ai quitté Paris et je suis très content d'être au vert maintenant. Bienvenue dans ma nouvelle ville, je vais vous faire découvrir cette capitale européenne. Super, on a hâte qu'il nous fasse découvrir cette magnifique ville qui est très méconnue. C'est vrai que personne ne dit, bah tiens, je vais aller en vacances au Luxembourg. Et tant mieux, on le garde secret. Ouais. Voilà. On y va ? On y va ! Allez, c'est parti ! Ce que vous voyez derrière moi, c'est le pont Adolphe et il permet de faire la jonction entre l'ancienne ville et la nouvelle ville. Là, on se trouve dans la ville basse et c'est le parc de la Pétrus. Et la Pétrus, c'est une toute petite rivière, un tout petit canal sur lequel ils font la duck race, des courses de canards, en plastique évidemment. En plastique, ouais. 3000 participants. C'est l'événement au Luxembourg. La jolie petite chapelle que vous venez de voir, c'est la chapelle Saint-Quirin qui se trouve dans la vallée de la Pétrus. Et la Pétrus, comme on l'a dit juste avant, c'est la petite rivière qui passe. Et ce qu'on a appris à l'instant, c'est que cette rivière, on lui prête des vertus miraculeuses, notamment pour soigner les maladies des yeux. La façade de style gothique a été érigée à même la roche en 1350 par les chevaliers de l'ordre teutonique. Nous n'avons aucune idée de ce que sont les chevaliers de l'ordre teutonique. Donc si vous le savez... C'est les Allemands. Oh là là. Eh ben... Bon. C'est bien, ça reste. Voilà. Chaque pays a sa légende et le Luxembourg a la sienne. La légende du Luxembourg, c'est... Mélusine. Et qui était Mélusine? Une sirène, apparemment. Mais ça, fallait pas le dévoiler avant la fin de l'histoire. Ah, pardon. Donc en fait, c'est l'histoire d'une femme qui se cachait auprès de son mari lorsqu'elle allait se laver. Elle lui avait demandé de ne jamais l'observer lorsqu'elle se lavait. Et il a fini par être rongé par la curiosité et à l'observer par le trou de la serrure. Et donc elle s'en est rendu compte et elle a sauté par la fenêtre parce qu'en fait elle était une sirène. Et donc elle a sauté dans la Pétrus. Et donc elle est là-bas. Donc ici tu as les forteresses Vauban. Avec le parcours Vauban qui est une belle promenade à faire, qui est longue mais qui est très sympathique. Et avec les trous que tu vois à l'intérieur de la roche qui s'appellent des casemates et qui se visitent, c'est là où il y avait en fait toutes les garnisons, les chevaux, les canons. Et donc ça se visite, c'est assez sympa. Tu dis la promenade Vauban, en fait c'est le tour des remparts. Tu Exactement, peux faire tout le tour des remparts. Exactement. Donc tout le tour de la vieille ville quoi. Oui, tout okay, à fait. Super. On y va. Donc ici vous avez l'abbaye de Münster. Même plus si c'est Münster. Vous avez donc l'abbaye qui avait été transformée en prison et on mettait en fait les gens pauvres, on mettait les prisonniers dans la ville basse parce qu'elle est beaucoup plus humide, beaucoup moins ensoleillée. Et donc depuis, on a créé des ascenseurs entre la ville haute et la ville basse pour que les gens puissent avoir un lien assez facile et donc le prix des loyers a vachement augmenté dans la ville basse. Alors ce parvis aujourd'hui, il est utilisé pour plein d'événements, pour des expos et surtout pour des concerts. Donc mettre la scène là et ça fait une grande esplanade où les gens viennent en concert. Donc j'ai vu IAM. Ici, ouais. Waouh. J'ai vu Luan. Britney Spears, maybe. Non, Britney n'est pas venue sur le parvis. Elle est venue à Anvers. En Espagne, on avait vu des trucs exact. Comme ça. Exact. À Santander. Ils ont gardé, en fait, ils ont conservé les vestiges des conquistadores. Et donc, vous avez les petites tourelles qui rappellent l'Espagne. Donc, côté conservé, savant mélange avec l'Espagne. Donc là, nous sommes
dans le Pfaffenthal, qui est juste en dessous. C'est la ville qui s'appelle le Pfaffenthal. En face, vous avez l'immense pont qui s'appelle le pont de la Grande Duchesse Charlotte, puisque vous êtes ici au Grand-Duché. Et il y a également un ascenseur là-bas qui est tout vitré, qu'on va prendre tout à l'heure, qui nous permet de monter et de tout voir, puisqu'il est complètement transparent. En face, c'est le Kirchberg. C'est l'autre partie du Luxembourg, où il y a toutes les institutions européennes. Et donc là, nous surplombons encore le Pfaffenthal. Et en face, nous avons donc le musée d'art moderne avec sa espèce de grande voûte vitrée. Et juste en dessous, le musée des trois glands. On l'appelle le musée des trois glands parce que, comme vous pouvez voir, il y a un petit gland doré sur chacune des petites tourelles. Il y a trois tourelles, donc trois glands. Plus nous, ça fait six. Regardez bien toutes les vitres. Vous allez voir. C'est vrai que c'est cool. Plus tu descends, pire c'est. Alors ce qu'il y a là-haut, c'est la Guelfra. Et donc c'est la Golden Lady. Et donc cette jolie demoiselle est un symbole de paix. Et elle avait été cachée en temps de guerre pour ne pas être volée par les Allemands. Sauf que les Luxembourgeois étant un peu amnésiques, ils ont oublié où ils avaient enterré la Guelfra. Et en fait, c'est en creusant le stade de football qu'ils sont retombés dessus par hasard. Et donc ils ont été très contents de pouvoir la remettre en place. Elle a ensuite été prêtée lors de l'exposition universelle et les Luxembourgeois étaient déprimés de passer ici sans pouvoir voir la Golden Lady chaque jour. Donc elle est vite revenue sur son trône. Voilà pour la petite nouvelle, sachant aussi que cette place est la place où se trouve l'un des trois marchés de Noël. Ce qu'on voit derrière moi là, c'est la cathédrale du Luxembourg. Sous le régime de la Grande Duchesse Charlotte, le Concile Vatican II siégeant à Rome. Cette cathédrale a grandi et embellie dédiée à la consolatrice. Les affligés patronnes de la cité de la patrie a été consacrée par l'évêque de Luxembourg, Léon Lemel, le 8 décembre 1963. Amen. Qu'est-ce qu'on fait, Kim ? On a collé des stickers un peu partout dans le Luxembourg, c'est une folie ! À vous de les retrouver ! Ouais, on va faire un petit jeu concours. On en a collé pour l'instant 4. Si vous nous envoyez un message privé sur Facebook, une photo de chaque sticker collé à chaque endroit dans la ville de Luxembourg, on vous offrira un petit cadeau. En plein cœur de la ville de Luxembourg et fidèle à lui-même, qui m'a commandé un burger. Alors qu'est-ce que t'as pris comme burger? J'ai pris un four cheese. Il arrive. Quatre fromages. Regarde. Waouh. Ah bah comme par hasard. Merci. Nous nous trouvons sur la place Guillaume. C'est ici que s'érige Guillaume 2. Merci. C'est ici que s'érige l'hôtel de ville, qui est un bâtiment plutôt sobre, comme je disais à Romain. Arrête. Hein. Je m'attendais vraiment à un truc méga luxueux, étant donné que le Luxembourg est un pays très riche, mais c'est quand même très sobre l'hôtel de ville. Et la statue que vous venez de voir, c'est la statue de Guillaume 2, le duc, le grand-duc. Enfin, l'ancien grand-duc. L'ancien grand-duc. Le nouveau, il s'appelle ? Michel. Henri, et son fils s'appelle Guillaume. C'est cela. Le quatrième sticker va être collé au dernier endroit que nous visitons. On va pas vous dire où, ce serait un peu facile, mais vous allez voir le poteau sur lequel je vais le coller. Bah, c'est dire bonjour au grand-duc. Indice. Hop là, voilà. Thank you.
Alors ici c'est la Chocolate House, on peut voir un chocolat chaud spécial, en fait il y a 50 sortes de chocolat et c'est comme une sucette avec un chocolat au bout et on le trempe dans le lait. Vous pouvez manger aussi des belles gaufres, des belles parts de gâteaux énormes, ça a l'air super bon, dedans ça sent le chocolat chaud, c'est... quand il fait froid c'est parfait. Dommage, on a le ventre plein donc on n'ira pas en manger, mais la prochaine fois. On se trouve devant la boutique de Léa Linster, qui est une luxembourgeoise qui a eu un prix Bocuse pour ses madeleines. Alors Romain voulait à tout prix qu'on achète des madeleines. Donc voilà, nous avons un petit paquet de madeleines. La boutique sent merveilleusement bon, vous pouvez aussi les consommer sur place avec un chocolat ou un cappuccino ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et on va aller goûter ça tout de suite, c'est le petit goûter quoi. Le sucre du gras. Alors maintenant, tu la prends. Non, vraiment, je peux pas sans tu la sens. Okay. Sans la toucher avec mon dégueulasse. Et ensuite, tu croques dedans et c'est là où c'est la révélation parce que ça croustille et c'est moelleux à l'intérieur. Écoute bien. Mais oui, dis donc. Mmh. Ah bah, écoute, non, toi, il te faut un café. Voilà, moi, il me faut un café avec moi, la madeleine. Je vais goûter. Ah ouais. Ça ne déchire pas ? Oh, par contre, ça coule de beurre, quoi. C'est super bon. Qui est cette statue ? Nous vous le demandons. Je crois que c'est la grande duchesse Charlotte. Exact. Et qu'a-t-elle fait ? Elle s'est battue. Contre qui ? Les Allemands. Pourquoi ? Je ne sais pas. Oh bah quand même, Marianne. La guerre. La guerre. La guerre. Mais toi non plus, tout n'a pas changé. Comme vous le voyez, la folie est génétique dans notre famille. Bon, assez parlé. Maintenant, interro. Marianne. Comment appelle-t-on ce côté ? Le Grun. Oui, mais cette partie-là, là où il y a l'abbaye ? Clausen. Très bien. Kim, comment appelle-t-on ce côté-là ? Le Pfaffenthal. Très bien ! Un point plus un point égale... Deux points ! On est sous le pont d'Adolphe. Alors, ils ont construit une passerelle moderne en dessous du pont Adolphe pour qu'on puisse passer à pied et à vélo. C'est vachement bien mixé entre moderne et ancienneté, lumière au plafond, câbles sur les côtés. Et ce pont a été dédié à Adolphe. Non, à sa femme Maïté. Vous avez vu la culotte par en bas là, hein, c'est pont. Pour ça. En fait, elle passait là tous les matins avec sa jupette. Et on y a vu la culotte, la chanson Maïté, on a vu ta culotte. Je vous propose donc d'entamer un petit chant. 3, 4. Marité, on t'a vu la culotte, culotte, la culotte. La culotte, la bon, là, on s'apprête à rentrer donc chez Romain. Et en fait, il nous a expliqué que le restaurant qui se trouve derrière moi, ça s'appelle le Chiche. Alors, c'est ce qu'on appelle un restaurant pop-up, c'est-à-dire que c'est un restaurant qui n'est pas destiné à rester. Et ce sont donc des réfugiés syriens qui préparent la cuisine. Et ça marche du feu de Dieu. Le restaurant est plein. Ça s'appelle Chiche en référence à deux choses. Premièrement, c'est un pari qu'ils ont fait d'essayer de lancer ce restaurant avec pour cuisiner des réfugiés syriens. Et le deuxième, c'est évidemment la référence au pois chiche, puisque c'est la base culinaire de ces pays-là. Et juste à côté, donc, ils ont construit le bac chiche parce que ça marchait tellement bien que comme celui-là va disparaître dans quelques temps, le bac chiche restera. On trouve cette idée magnifique. Je ne sais pas s'il existe des initiatives comme celle-là en France. Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup le savoir, donc mettez-le en commentaire. Mais voilà, avec qui m'ont trouvé cette idée fabuleuse. Désolée pour le bruit avec les voitures, on est dans une rue quand même très passante. Voilà, journée dans la ville de Luxembourg terminée. Yes, c'était une super belle ville, merci à Romain. Un plaisir. On l'a fait visiter, c'était top. On espère que vous avez apprécié le super guide que nous avons eu pour la journée. Nous, on va maintenant se reposer parce qu'on a beaucoup marché. Ouais. Je ne sais pas combien de kilomètres on a fait dans la journée. On est bien resté, on est bien resté 7 heures dans la ville à marcher un peu partout. Puis on a pris le temps, mais c'était agréable. Et puis, ouais, on repart demain. Demain, pour découvrir un peu le reste du Luxembourg. Romain nous a expliqué qu'il y avait un musée de la photographie un peu plus haut. Non, c'est pas le musée de la photographie. C'est une exposition photo que je vous recommande à tous, qui s'appelle Family Hoffman, qui se trouve à Clairvaux et qui est considérée et protégée par l'UNESCO. Et apparemment, c'est une expo photo sur l'humanité. Tout à fait. Voilà. Il y a quoi d'autre qu'on doit voir ? Le château de Vendel. Voilà, le château de Vendel.
château. La fatigue. Le château de Vianden. Et aussi la ligne Maginot, qui est à faire et à visiter. Ça, c'est en France. Ça sera au retour. Et à faire avec un guide, c'est topissime. Ouais, à faire. Donc, si vous habitez par là et que... Par là où, avec ta main? Si vous habitez par là. Donc, si vous êtes du côté de l'Alsace ou d'ailleurs en France, mais que vous allez passer en Alsace, sachez que la ligne Maginot se trouve sur la frontière. Je crois qu'ils le savent. Luxembourgeoise. Et donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous en aurez appris plus sur la ville du Luxembourg. Ouais, on l'espère. Et sur son grand-duché. On l'espère. Donc n'hésitez pas à partager si vous avez envie de faire découvrir la ville du Luxembourg. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Bisous.